Ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ces jours jusqu'à présent, ça a été de rencontrer des entrepreneurs et des capitaines d'industrie locaux pour avoir un véritable échange avec eux sur la situation dans mon secteur d'activité. J'ai entendu parler de ce jour exploratoire par le site internet des Places aux Jeunes. Et je cherchais justement à les connaître un peu plus à l'extérieur de Montréal, ce qui se passe au Québec. Et c'était le moyen parfait pour moi. La possibilité qu'offrait le CJE de venir découvrir l'envers du décor et rencontrer des entreprises et se faire une véritable idée de la chose, me plaisait beaucoup. La raison, dans le fond, qui m'a attiré à venir au séjour, c'est visiter un peu la région dans laquelle je vais étudier prochainement. Je me suis même fait des amis qui sont censés me rendre visite. Donc voilà, je trouvais ça trippant. Bonjour, ici Épargne Placement Québec. Que puis-je faire pour vous? Placez votre projet d'avenir en lieu sûr avec nos obligations à taux progressif, idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Bonjour, ici Épargne Placement Québec. Que puis-je faire pour vous? Placez votre projet d'avenir en lieu sûr avec nos obligations à taux progressif, idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Allage, je suis animatrice au comité intersectoriel Parents veulent savoir. C'est un comité qui offre depuis 2011 des activités, conférences, ateliers. Près d'une centaine d'ateliers, conférences ont été offerts aux parents du comté Robertval, tout à fait gratuitement. La programmation hivernale va offrir des ateliers, conférences sur le thème du stress et anxiété, un sujet qui est très d'actualité auprès des parents et des familles. Bonjour, je m'appelle Anne-Julie Gagnon, je suis responsable du service jeunesse au Centre de santé mentale Larimage à Dolbeau. C'est moi qui vais animer la conférence « Stress et anxiété » à la polyvalente Jean Dolbeau le 8 février à 19h. Bonjour, je m'appelle Nadia Fortin, je suis intervenante au Centre Le Bousqueuil. Je m'occupe du soutien communautaire au logement et aussi du service jeunesse. J'anime les conférences stress et anxiété le 15 février à Saint-Augustin et le 22 février à Robertval. La conférence stress et anxiété parle autant du stress et de l'anxiété chez les jeunes, mais aussi pour les parents. Dans une société où tout va vite, la pression que vivent les parents est souvent ressentie par les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on trouve important de parler de ce sujet-là. Dans la conférence, on va surtout parler de c'est quoi le stress, c'est quoi l'anxiété, comment on différencie les deux, puis aussi les symptômes qui apparaissent chez le jeune. On peut aussi parler des symptômes qui apparaissent chez le parent. On vous invite à venir vous outiller, à venir trouver des moyens afin d'accompagner vos jeunes et pour vous aussi. La conférence s'adresse pour tous les parents, autant des enfants du primaire que des enfants du secondaire. Ça a un impact important sur leur cheminement scolaire. Donc, on veut aider les parents à s'approprier des outils pour vivre au quotidien avec ces difficultés-là et pouvoir accompagner leurs enfants dans leur cheminement scolaire. Je vous invite à venir assister à la conférence sur le stress et l'anxiété le 8 février à 19h à la polyvalente Jean Dolbeau. Et moi, je vous invite le 15 février à Saint-Augustin au Centre Le Retour et le 22 février à la Cité étudiante de Robertval.
Bonjour, j'invite les anciens élèves de l'école Le Tournant, ceux qui ont fréquenté depuis 25 ans, tout le personnel qui a travaillé à venir se joindre à nous pour une fête le 13 mai prochain. En soirée, dès 19h, on vous attend à l'école Le Tournant pour des retrouvailles. Donc, nous avons une page Facebook. Vous pouvez aller voir notre page Facebook 25 ans du Tournant. Cliquez sur « J'aime » et participez. Merci. Ouais, c'est avec grande fierté qu'on a lancé ce matin la programmation entourant le 125e anniversaire de la communauté de Dolbeau-Mistassini, qui correspond évidemment avec l'installation des Pères Trappistes le 10 novembre 1892. Alors, vous avez vu, la programmation est quand même intéressante. Comme je l'ai dit dans différentes occasions, c'est une fête, des fêtes sobres, mais de bon goût, qui va permettre aux gens de pouvoir se retrouver lors des grandes retrouvailles du mois de mai, c'est-à-dire le 20 et le 21 mai, lors d'un grand rassemblement qui sera tenu ici, à l'aréna du secteur de Dolbeau. On aura aussi au mois d'août la grande kermesse sous la direction de Jimmy Doucette, cette grande fête foraine là, qui aura lieu à la Pointe des Pères, dont je ne peux vous dévoiler plus de secrets à l'heure actuelle parce que c'est dans la tête de M. Doucette. Malheureusement, il était absent ce matin pour des raisons de routières, conditions routières. Et puis, on aura aussi tout au long de l'année des visites ici au quartier des Anglais. Je voulais dire aussi que dans la fin de semaine des retrouvailles, il y aura aussi des activités, un brunch, une messe commémorative, une action de grâce des Pères Trappistes, une exposition photo. Alors, il y a beaucoup de matériel pour permettre aux gens de pouvoir se remémorer et aussi pour pouvoir se retrouver tout en restant dans des dépenses limitées. On aura aussi en cours de route, et ça on le fera plus tard un peu, on va annoncer on va nommer des bâtiments au nom de Dolmissois, Dolmissoises qui se sont illustrés de manière locale, provinciale. On aura aussi, on n'a pas arrêté notre choix sur le nom, mais un temple de la renommée où on pourra nommer des artistes ou des sportifs ou des scientifiques qui se sont illustrés, et croyez-moi, nous en avons. On en a plusieurs en tête. Alors, vous voyez, on a essayé de faire un survol important de toutes les activités ou en fait de regrouper des activités qui vont toucher les gens. Et vous savez, on peut se faire dire, il n'y aura pas de grand spectacle, un grand déploiement, ces choses-là. C'est parce que lorsque ces genres de fêtes-là ont lieu, ce sont les artistes souvent qui viennent de l'extérieur de la région qui partent avec les deniers. J'ai juste à me rappeler le 175e anniversaire et... moi, je suis resté encore sur mon appétit. Ce n'est pas des artistes locaux, c'est des artistes qui avaient été mis ensemble. C'est correct, puis je respecte ça. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens se sentent interpellés, qu'ils sentent leur fibre dolmissoise titillée, et on va arriver à nos fins. Et puis, c'est échelonné sur des dates, des moments précis de l'année. Alors, la fête des Patriotes, c'est un moment où les chalets ne sont pas encore commencés, les écoles, etc. Au mois d'août, c'est la fête des Bleuets. Alors, c'est bien. Alors, tout au long de l'année, on aura des présences. On va souligner l'arrivée des Pères Trappistes. Et vous savez, ça correspond aussi au 90e anniversaire de l'installation de Lac Saint-Jean Power and Paper. Puis c'est aussi le 20e anniversaire de la fusion qui sera célébrée, qu'on va célébrer, en fait, ou qu'on va souligner le 17 décembre 2017. Ça va faire 20 ans que la ville de Dolbeau et celle de Mistassini se sont fusionnées pour le meilleur. Donc, ça fait quand même beaucoup de célébrations cette année. Absolument. Puis on invite évidemment tous les gens à venir se regrouper avec nous lors de ces festivités. Vous êtes les bienvenus. On fait ça pour les gens. Puis on est très heureux, comme conseil de ville, de pouvoir marquer le passage de cet anniversaire important. Hey, je suis avec Mme Lunette. Bonjour, Mme Lunette. Bonjour. Qu'est-ce que Mme Lunette et c'est quoi les informations? Mme Lunette, c'est votre lunetterie communautaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, les gens peuvent venir me voir dans les organismes partenaires. Vous pouvez voir où ce que je suis, soit sur le Facebook de Mme Lunette ou futurement sur le site web, donc au www.madamelunette.org. Vous pouvez me téléphoner au 418-608-3050 pour savoir mes heures et horaires.
Donc, les gens, il faut qu'ils viennent me voir avec leur ordonnance. Et ensuite, moi, ben, je suis opticienne d'ordonnance, donc on peut faire le choix de monture ensemble et de lunettes. Étant dans le domaine communautaire, ça me permet de rendre les lunettes accessibles à tous, donc à des prix beaucoup moindres. Inquiétez-vous pas, elle fournit pas des lunettes comme ça. Merci beaucoup, Cynthia. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bonjour, je suis présentement avec M. Martin Godreau, qui est le responsable des communications pour le 7e cabaret du succès. Bonjour Martin. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Martin, moi, je suis quelqu'un de la communauté et je ne sais pas c'est quoi le cabaret du succès. Comment tu pourrais m'expliquer ça brièvement? En fait, le cabaret du succès, c'est un regroupement des gens d'affaires, de gens qui ont des entreprises, qui ont fait des actions dans leur entreprise dans les deux dernières années. Dans le fond, parce que c'est la 7e édition, donc ça se répète à tous les deux ans. Okay. Et ces gens-là, ils ont soit investi dans leur entreprise, créé des emplois ou porté des attentions dans les différentes catégories qui sont soulignées là, lors d'une soirée. Donc, lors de cette soirée-là... C'est comme une soirée où on fait venir les entrepreneurs pour souligner les bonnes actions. Exactement. On s'amuse à jouer un petit peu à le gala, tu sais, parce que c'est quand même... on voit qu'il y en a qui ont porté des actions qui sont assez impressionnantes. Okay. Ils ont fait ça. On peut découvrir des choses qui ont été portées dans les dernières années. On en profite. J'ai été témoin dans les dernières actions, dans les derniers événements qu'il y a eu. Puis on se rend compte, regardez, on découvre des entreprises, on découvre des investissements que certaines entreprises déjà en place ont fait. Donc, c'est vraiment cette soirée-là que, sous forme de gala, dans le fond, il y a un mini-film qui passe à l'écran en avant, qui présente l'entreprise, qui est dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis, et en même temps, bien, c'est pour celles qui sont de nouvelles entreprises, bien, hey, on a ça chez nous. C'est motivant parce qu'on voit l'innovation qui se passe chez nous, puis on voit comment les gens ils réussissent à mener leur entreprise. Je vais faire un porte-parole personnel. Là. Dans le fond, effectivement, c'est assez impressionnant. Il y a une effervescence économique. Puis je trouve qu'on peut se servir de ces beaux événements-là pour les faire connaître. OK. Puis ça, c'est quand, ce cabaret-là? Le cabaret, pour l'édition, la 7e édition, c'est le 6 mai. Là, je prends la peine de m'assurer à 18h30 okay. au Météor Barry-Grill. Ah, parfait. Et là, est-ce que moi, j'ai une entreprise, et je dis, moi, je veux être là, comment je fais? Est-ce qu'il faut que je m'inscrive? Comment ça se passe? Là, vous m'amenez dans une belle zone, j'aime ça. En fait, première condition, être oui. membre en règle d'une chambre de commerce. OK. Ce qui veut dire, chambre de commerce de Boumistassini, la jeune chambre de commerce, CLIC, okay. qu'on connaît, oui. et puis la chambre de commerce de Normandin. Donc, ces trois... Les associations-là sont regroupées ce soir-là pour, avec les entreprises qui ont été sélectionnées ou celles qui se sont qualifiées lors de leur, dans les deux dernières années, dans les actions qui ont été portées. Là. D'accord. Mm. Et là, moi, j'ai mon entreprise et qu'est-ce que je fais? Je t'appelle toi personnellement ou je vais sur votre site et j'ai jusqu'à quand pour m'inscrire? On peut aller sur le site de la Chambre de commerce. Donc, en fait, c'est le www.ccidm.ca dont le formulaire est présent. Il y a aussi appelé Mme Audrey Jobin. Audrey Jobin, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce de Boumistassini, oui. qui est au 418-276-6638. Et qui est une personne très agréable. Et voilà. Et voilà. Donc, dans le fond, elle va vous acheminer vers les bons documents, puis de s'inscrire. L'inscription, en fait, notre rencontre d'aujourd'hui, on insiste parce qu'on a donné un deadline, une date butoir, où est-ce qu'on va parler du 28 février. Ça, c'est la date limite pour poser sa candidature. Poser sa candidature. Parce que même si, justement, faisant partie du comité organisateur, on se rend compte qu'il y a quand même, dans les deux dernières années, donc du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, il y a, à notre connaissance, plus de 76 entreprises qui ont porté des actions wow. qualifiables lors de la, qualité, de la présentation du cabaret. Et de ces 76-là, bien, pour la chronologie et l'organisation de la soirée, on en présélectionne une trentaine. Parce que quand même, on ne veut pas finir au dimanche matin. Là. Non, c'est correct. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on dit, bien, regardez, pour ne pas vexer personne, on dirait, hey, moi, j'ai fait ça, on n'en a pas parlé. Bien, on dit, premier arrivé, premier servi. Profitez de la sellette. C'est une sellette qui nous permet de justement de faire valoir les actions qu'on fait chacun chez nous puis qui sont trop peu connues. Là. Mais oui, puis des fois, tu ne connais pas les autres. Ça sert de réseautage aussi. Tu vas rencontrer des gens qui travaillent soit dans un domaine ou juste dans l'entrepreneuriat, même si on n'est pas dans le même domaine d'entreprise. Il y a des choses qui se ressemblent d'une entreprise à l'autre. Bien, exactement. De faire un coefficient de partenariat, qu'on va dire. Mmh. Mais je donne un exemple. Est-ce qu'on aurait cru, il y a une quinzaine d'années, qu'on aurait eu un vin à la SAQ produit ici chez nous?
On n'aurait pas cru ça. Donc, lorsque... C'est un exemple. J'en nommais tout à l'heure, il y en a 76. Il y a des gens qui sont dans leur, sont chez eux, sont dans leur univers, dans leur entreprise, puis ils portent des actions comme ça, puis ils développent des activités économiques, on va dire, puis c'est une belle place pour le faire connaître. Là. C'est génial, ça. Donc, on vous rappelle, vous avez jusqu'au 28 février pour poser votre candidature. Hein? Allez-y, c'est intéressant. Mettez-vous en valeur, c'est important d'être fier de ce qu'on fait, puisqu'on a un beau secteur qui est dynamique, t'en parlais. Absolument. Peux-tu me rappeler le site Internet et le numéro de téléphone pour les gens qui veulent s'inscrire? Pour le site Internet, on a le www.ccidm.ca. Donc, il y a le document qui est présent. Et puis, il y a Mme Audrey Jobin, directrice générale de la Chambre de commerce de Beaumont-Sassigny, au 418-276-6638. Qui est, je le rappelle, une personne très agréable. Hey, merci Martin! Au plaisir. Hey, puis j'espère que quand tes entreprises seront sélectionnées, tu viendras nous revoir avec ton président d'honneur et puis là, on en parlera plus en détail pour la soirée du 6 mai prochain. Aucun problème. Merci Martin. C'est bon. Je m'appelle Zachary, je suis amputée à la jambe gauche. Ça, c'est ici, c'est fait pour quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant.
L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ces jours jusqu'à présent, ça a été de rencontrer des entrepreneurs et des capitaines d'industrie locaux pour avoir un véritable échange avec eux sur la situation dans mon secteur d'activité. J'ai entendu parler de ce jour exploratoire par le site internet des Places aux Jeunes. Et je cherchais justement à les connaître un peu plus à l'extérieur de Montréal, ce qui se passe au Québec. Et c'était les moyens parfaits pour moi. La possibilité qu'offrait le CJE de venir découvrir l'envers du décor et rentrer dans les entreprises et se faire une véritable idée de la chose, il me plaisait beaucoup. La raison, dans le fond, qui m'a attiré à venir au séjour, c'est visiter un peu la région dans laquelle je vais étudier prochainement. Je me suis même fait des amis qui sont censés me rendre visite. Donc voilà, je trouvais ça trippant.